Cette semaine, je conduis le nouveau GMC Yukon Denali. Si vous êtes à l'affût de mes vidéos, j'ai conduit le GMC Yukon Denali auparavant, mais c'était une version pré-production. Alors là, j'ai vraiment une version production, on pourrait dire, pour une semaine de temps. Quand on teste des véhicules seulement une journée, on peut avoir vraiment nos premières impressions. Mais là, quand on l'a pour 7 jours de temps, on peut vraiment tester tout un peu les gadgets, l'économie d'essence, tout ça. Alors, c'est un test un petit peu plus en profondeur. Si vous voulez les détails un peu en gros du Yukon, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a déjà effectuée. Côté style, un peu comme dans la vidéo qu'on a parlé auparavant, on a vraiment un nouveau design pour le Yukon. Il a été redessiné de A à Z. On va aller un petit peu en détail les différences entre un Yukon, une Escalade et un Tahoe. Je suis chanceux, pendant mes 3 semaines présentement, j'ai eu la chance de conduire l'Escalade, le Yukon et la semaine prochaine le Tahoe. Alors c'est parfait pour vraiment comparer les 3 modèles. Pour 2021, GMC a vraiment remonté la barre pour le modèle Denali. Alors on vient vraiment avec une grille unique et aussi beaucoup de choses qui vont être uniques à la marque un peu, à l'édition Denali. Auparavant, en 2020 et des années antérieures, le modèle Denali était un modèle bien équipé, mais il n'y avait pas des grosses différences comme qu'on va retrouver en 2021. Alors, pour 2021, on vient donner un peu une allure unique au Denali. On remonte la barre vraiment côté style, luxe et tout ça. C'est un gros plus quand on monte dans le modèle Denali. Parlant de la gamme Yukon, on a plusieurs modèles. On a le SLE, SLT. On a le nouveau modèle AT4 qui est une version hors-route. Et on a aussi le Denali. Côté style, regardez, on a vraiment une grille unique pour le Denali. On a les phares à l'avant, vraiment OHID. Ça, c'est une des grosses différences qu'on va retrouver sur le modèle Yukon à comparer du Tahoe. Si on se déplace sur le côté du Yukon, on a vraiment des jantes de 22 pouces noires optionnelles. C'est des roues à plus de 4 000 $. Très belle option. On continue sur le côté, on a vraiment des marchepieds électriques, très pratiques pour rentrer et sortir du véhicule. Surtout quand on vient un petit peu plus âgé, c'est super pratique. Puis ils viennent rentrer en dessous du camion, alors on ne les voit pas quand on roule. Un beau détail aussi de ce côté-là. Et si on se déplace à l'arrière, on peut remarquer quelque chose d'unique qu'on va retrouver seulement sur le modèle Denali. On va avoir une sortie d'échappement quadruple. Alors si on choisit un modèle AT4, SLT, on n'a pas ces sorties d'échappement-là. Même chose pour le Tahoe, on ne l'a pas. C'est unique au Denali. Sous le capot du Yukon Denali, ça vient de base pour le modèle Denali avec un V8 6.2 litres de 420 chevaux et 460 livres-pieds de couple. Jumelé à une tension 10 vitesses, un moteur que j'aime beaucoup. J'aime les performances, j'aime comment que la transmission va. Pour le gabarit du véhicule, je trouve que c'est vraiment l'idéal d'avoir le 6.2. Vous avez aussi un moteur optionnel, le nouveau diesel Duramax 3 litres, 6 en ligne turbo, qui va vous offrir 277 chevaux et 460 livres-pieds de couple. Alors, si vous voulez avoir une option côté économique, économiser de l'essence, peut-être même couper l'économie de moitié, de ce côté-là, le diesel est très intéressant. Et si vous considérez d'autres modèles dans la ligne Yukon, je pourrais dire SLE, SLT, AT4, ça vient avec un V8 5.3 litres, jumelé encore une fois avec la 10 vitesses. Alors, vous avez l'option de 3 moteurs. Si vous optez pour le Denali, vous avez le choix de 2 moteurs. Alors, beaucoup de choix de ce côté-là pour le Yukon. Bon, derrière le volant du Yukon Denali, ça fait 7 jours que je conduis le Denali, camion que j'aime beaucoup. Je suis content d'avoir conduit l'Escalade la semaine dernière, j'ai pu voir la différence. La dernière fois que j'ai essayé le modèle, je trouvais que l'Escalade, c'était cher pour le prix. Je n'avais pas vu une grosse différence. Oui, le côté technologie, le look, l'intérieur, ces choses-là. Mais côté ride, je pensais que c'était pas mal la même chose. Je pensais que c'était la même chose côté vraiment la suspension magnétique puis à l'air. Ils combinent les deux, autant pour l'Escalade que le Denali. Mais je m'aperçois que le Denali est beaucoup plus sport que l'Escalade. L'Escalade, c'était vraiment, quand on était en mode confort, c'est pareil comme si on était sur un nuage. C'était très smooth, très bateau aussi. On peut le mettre aussi en mode sport.
mais je veux dire que le mode confort d'un Denali est beaucoup plus rigide, beaucoup plus nerveux, je pourrais dire. Si vous recherchez l'ultime confort, c'est sûr et certain, l'escalade, c'est le top. Mais j'aime beaucoup conduire le Denali cette semaine. Comment que le capot plonge vers l'avant? On dirait que le camion est plus petit que l'escalade, même si c'est la même grosseur, le même gabarit, ces choses-là. Juste conduire le Yukon, c'est un petit peu plus... On dirait qu'on est dans un plus petit véhicule, juste à cause de la vision et comment il se comporte. De ce côté-là, j'aime beaucoup ça. Si on continue à parler avec le Denali, à l'intérieur, vraiment, on a du beau bois noir. On a un écran spécial pour le Denali. Si vous regardez des modèles comme le SLE, le SLT ou le AT4, vous allez avoir une espèce d'écran qui va sortir. Pour le Denali, on a vraiment un écran encastré. C'est très beau, c'est un beau fini. Puis ça rend le Denali spécial. De ce côté-là, on voit qu'on est dans pas juste un Yukon, on est dans un Denali. Puis on peut le voir sur le volant. Sur le volant, à la place d'être marqué GMC, il est marqué Denali. Fait que là, on le sait qu'on est dans un Denali. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à choisir un Denali au-dessus d'un SLT ou un AT4, pour exemple. On a vraiment des sièges, un tissu un peu plus de qualité. Les sièges sont plus confortables. Je serais content de ce côté-là. Des fois, je trouve que les sièges chez GM sont un petit peu rigides, il manque un petit peu de confort. C'est pas le cas dans le Denali. On a des belles coutures un peu en genre de X. Ça, c'est unique pour le Denali. Aussi, on remonte avec un système de son avec plus d'haut-parleurs. Quand on choisit le Denali, on tombe avec 12 haut-parleurs du système de son de marque Bose. Bon système de son de ce côté-là aussi. Le Denali de base vient avec beaucoup, beaucoup de trucs à comparer des autres. Même si vous allez monter un SLT ou un AT4, dans le tapis, je pourrais dire, de ce côté-là, le Denali vous offre certaines choses que vous ne pouvez pas avoir dans les autres modèles plus bas dans la gamme. Je vais être franc avec vous, là, si vous m'écoutez puis vous regardez pour un Yukon. Le Yukon est un des véhicules que je considère acheter pour mon prochain achat de véhicule. C'est pour ça que je connais vraiment tous les petits détails. SLE, SLT, Yukon, AT4, le Denali, si, ça de plus. J'ai vraiment fait mes devoirs de ce côté-là parce que c'est vraiment un modèle qui m'intéresse. Pour moi, regardez, on attend un enfant bientôt. Eve est enceinte. C'est la raison pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a des nausées, elle ne se sent pas bien. Elle a des fluctuations d'hormones. Je ne parlerai pas trop. De ce côté-là, regardez, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Ça nous prend vraiment un véhicule à trois rangées. Là, on va tomber avec trois enfants. On a besoin de l'espace. Fait que les pick-up, ces choses-là, pour moi, c'est terminé. Alors, le Yukon, c'est un bon remplacement, que je pourrais dire, une bonne évolution. J'avais un Sierra AT4. Puis maintenant, le Yukon, c'est une voiture que je considère. Alors, dernièrement, dans les voitures que j'ai essayées, il y avait beaucoup d'escalade. Yukon, la semaine prochaine, le Tahoe, j'ai essayé le Durango, le Telluride. C'est tous des véhicules à trois rangées qui sont très populaires puis que j'aime beaucoup. Si on revient au Yukon que j'essaie aujourd'hui, très bien équipé, regardez, on a les marchepieds, on a le toit ouvrant panoramique, on a les gros mags qui coûtent plus que 4 000. Alors, ce véhicule-là est très bien équipé. Si on regarde le prix, 95 000 environ, là, juste en dessous de 95 000. Si on regarde un Denali de base, ça tourne environ dans les 80 000. Fait que de ce côté-là, regardez, c'est quand même un package intéressant pour le Denali. Je vous rappelle que côté Yukon, 80% des Yukon vendus, c'est des Denali. Fait que de ce côté-là, c'est le plus populaire. Regardez, c'est le fun de conduire le nouveau Yukon à cause qu'on a vraiment une suspension indépendante à l'arrière. Ça vient vraiment améliorer les performances dans les courbes. Souvent, les gens qui voient des véhicules comme ça, ils disent « Ah, c'est une grosse vache, ça tourne pas, c'est un petit peu comme un bateau. » C'est plus le cas, c'est très stable dans les courbes. Aussi, avec la suspension magnétique, on peut l'ajuster, on peut la durcir, on peut la mettre en mode sport. Pour la grosseur du gabarit, la tenue de route est excellente. Et des fois, les gens sont comme « Ah, mais là, moi, là, j'ai conduit à Miata, une Corvette. » Non, on parle de truck, là. C'est un gros camion. Et si on le compare avec d'autres gros camions, c'est celui qui est la meilleure tenue de route. Regardez, j'en ai conduit des Sequoia, des Armada, des Expedition, etc.
J'ai jamais conduit un qui tenait autant la route que la nouvelle génération de Tahoe, Yukon et Escalade. De ce côté-là, ils ont vraiment fait une bonne job. Combiné avec la suspension à l'air qui vient s'ajuster aussi en hauteur. Alors, il y a un mode débarcadère que le véhicule va venir vraiment s'écraser, rabaisser pour avoir un accès facile à rentrer puis à sortir. Sur l'autoroute aussi, il va se rabaisser. Il va être en mode normal un peu plus haut. Puis, si vous voulez faire un peu d'hors-route, vous pouvez le remonter jusqu'à 3 pouces. Puis, quand vous êtes vraiment en 4x4 low, je pourrais dire, vous pouvez vraiment locker, je pourrais dire, votre suspension pour qu'elle reste haut dans les airs. Ça, c'est fantastique si vous restez un petit peu dans le coin, comme moi, je reste un peu en montagne, près d'un centre de ski, ces choses-là. Beaucoup de chemins de gravel, des fois, il y a des chemins qui ne sont pas déblayés. On doit passer par-dessus vraiment un petit banc de neige, ces choses-là. Boum, on remonte le camion, c'est fantastique. Puis aussi, regardez, là, je m'ai amusé cette semaine. Là, quand j'arrivais au Lavaudeau, je faisais descendre le camion, ou quand il y avait des gens à côté de moi, je faisais exprès pour descendre le camion. C'est toujours le fun de faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Côté performance, regardez, 6.2 litres avec le 10 vitesses, c'est vraiment un de mes moteurs transmission combo préférés dans la marque GM. C'est un moteur qui a fait ses preuves, il n'y a rien de super fancy en dessous du capot, mais c'est un moteur qui est efficace, qui est fiable. La 10 vitesses est fantastique. Ça l'avance, regardez, ça décolle. Puis j'aime beaucoup ça que le Denali, il y a vraiment des sorties d'échappement à l'arrière. Les autres modèles, un peu encore une fois, contre le AT4, il n'y a pas de sortie d'échappement. Puis c'est pour ça que le Denali reste encore le top dog un peu dans le côté Yukon. Ok, conduire, regardez, performance fantastique. Tenue de route, là, regardez, c'est un charme avec la nouvelle suspension indépendante, magnétique, à l'air. Ça fait beaucoup de trucs ensemble, mais regardez, j'aime beaucoup la façon qu'il se conduit. Puis c'est un camion que j'ai pas peur de pousser en courbe. Quand on fait un dépassement, c'est pas comme une grosse vache pesante, ça l'avance. C'est agréable comme ça. On est dans un camion de big boy. Côté économie d'essence cette semaine, regardez, je fais d'environ une moyenne de 13 litres au 100. Je trouve que pour un 420 chevaux, regardez, on est gros mag, 22 pouces, c'est quand même les banquettes, on a toutes les options, le véhicule est quand même pesant. Je trouve ça excellent, regardez, pour un moteur à gaz comme ça, j'ai rien à dire. Puis de ce côté-là, encore une fois, je vais parler encore contre les modèles un petit peu en bas du Denali, mais avec le 5.3 litres, je suis pas sûr que le 5.3 litres fait vraiment des meilleures performances côté quand même d'essence de ce côté-là. D'après moi, là, peut-être qu'il va faire du 12, mais ça peut être similaire. Pour le sacrifice de performance qu'on a, on va pas vraiment avoir un gros gain côté économie d'essence. Si vous recherchez vraiment l'économie d'essence avec la grosseur de ce véhicule-là, peut opter pour le diesel. De ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Je ne l'ai pas testé encore dans ces gros VUS-là. Je l'ai justement testé dans le Sierra puis dans le Silverado. J'ai fait des chiffres dans les pick-up assez exceptionnels. Regardez, j'ai fait du 8 litres au 100. Fait qu'on vient couper à peu près de presque de moitié, pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Puis je pourrais vous dire, là, entre un pick-up puis le Yukon, je dirais Sierra puis celui-là. Moi, j'avais un 6.2. Je peux vous dire exactement l'économie d'essence. C'est sûr, certain, il faut que je fasse mon calcul. J'avais grossi les roues, moi, sur le mien. Mais je dirais que l'économie d'essence est environ la même. Peut-être un petit peu moins dans le Yukon. Même si on a beaucoup de bancs, le véhicule est plus petit. Il est moins long. Il est peut-être aussi plus aérodynamique aussi avec quand il rabaisse sur l'autoroute, ces choses-là. De ce côté-là, si j'étais capable de faire du 8 litres dans les pick-up avec le diesel, on peut s'attendre à la même chose côté VUS. Là, c'est intéressant, regardez. Là. On vient avec un gros VUS, on peut tirer beaucoup de poids. Côté tirer beaucoup de poids, vous pouvez tirer en haut de 8000 livres avec les Yukon. C'est super intéressant. Regardez, il y a souvent des véhicules qui sont plus petits. Puis ils vont faire du 11-12 litres au 100. Quand j'avais le Tilleride l'autre jour, qui est supposé être le champion des VUS larges, selon la JAC, qui compare ça à des Yukon puis des Tahoe, là, moi, je trouve que ça fait pas de sens. Là. Mais en tout cas,
le Telluride faisait des chiffres comme ça. Alors, avec le diesel, vous allez être capable de faire des meilleurs chiffres avec un plus gros véhicule. Bon, côté valise, à comparer du modèle 2020, on a gagné 66 % plus d'espace dans la troisième rangée et aussi dans la valise. Fait que tout ça combiné ensemble, là, on a un camion qui est plus long. Alors, il n'y a plus de Yukon court, je pourrais dire. Il a vraiment été allongé. Puis, si vous voulez avoir encore plus d'espace, vous pouvez opter pour le Yukon XL. Vous allez gagner à peu près un pied de valise, là, je pourrais dire. Là. C'est environ ça. Fait que là, si vous avez vraiment d'espace, le Yukon XL, c'est vraiment le plus gros que vous pouvez avoir sur le marché. Yukon XL, puis Chevrolet Suburban, c'est les plus gros VUS que vous pouvez acheter présentement. Côté espace pour amener des gens, remorquer les enfants, tout ça, c'est super pratique. C'est un des seuls véhicules, je pourrais dire, que même si je suis vraiment reculé ou je suis un petit peu plus en mode confort pour faire de la longue route, les enfants, ils sont confortables en arrière de moi. J'ai pas besoin de leur donner de l'espace pour qu'ils soient confortables. Moi, je suis capable de rentrer en arrière de moi dans le Yukon, puis je suis capable de rentrer dans la troisième rangée. Côté espace, le Yukon, c'est un champion. On a une belle écran, elle va bien. On a tous les boutons, autant sur l'écran qu'en bas. Fait que si vous êtes plus écran, vous allez être satisfait. Si vous êtes plus bouton, vous allez être satisfait. De ce côté-là, aucun problème. Beaucoup d'espace au centre. Ici, on a un chargeur sans fil qu'on peut fermer littéralement l'espèce de couvert par-dessus. Une console centrale plus pratique que l'escalade, je pourrais dire. Moins fancy, moins Cadillac, je pourrais dire. Mais beaucoup plus pratique tous les jours quand on travaille ou on part en voyage avec notre véhicule. Pour conclure, je vous dirais que le Yukon Denali est vraiment un de mes préférés. Je crois que dans la gamme de VUS de type large, vraiment de grande taille, c'est le meilleur achat selon moi. Comment il vient d'équiper de base, le look extérieur, l'intérieur, tout ça, tout ce qu'il vous offre, je trouve que c'est celui qui vaut le plus la peine pour le prix. J'enlève rien au Tahoe, j'enlève rien aussi à l'escalade. Si vous avez les moyens d'aller avec l'escalade, c'est un véhicule fantastique, mais pour moi, regardez, je trouve que même si j'adore conduire l'escalade et tous les gadgets qu'il y a dessus, le prix qui est environ de 25 à 30 000 de plus que le Denali qui est full equip dans le tapis est dur à avaler. Mais vous n'avez pas le style Cadillac, et puis pour beaucoup de gens, avoir le look, le style, le badge, le luxe qu'on va retrouver dans un Cadillac, c'est très important. Mais pour moi, regardez, j'ai un lifestyle un petit peu plus rough. Je travaille avec mon véhicule. C'est pas juste pour aller au bal masqué. Je trouve que le Denali, c'est le champion, selon moi, des VUS de grande taille. Alors, dites-moi de votre côté, quel est le champion, selon vous, de VUS de grande taille? Est-ce que c'est un Armada, une Expédition, l'Escalade, le Navigator? Dites-moi dans les commentaires quel des VUS de grande taille est votre préféré. N'oubliez pas de vous abonner à la page, n'oubliez pas de liker et partager mes vidéos. Aussi, je vais mettre des liens vers nos pages Instagram et Facebook. Vous pouvez aller nous rejoindre là. On met beaucoup de contenu behind the scenes et des trucs qu'on fait un peu à toutes les semaines. C'est très intéressant. Alors, on se retrouve sur nos pages et on se retrouve une prochaine fois pour un essai routier.